Depuis quelques années, l'intérêt pour les productions bio et locales a considérablement augmenté. Une petite révolution qui bouscule les modes de production et dont se sont emparées certaines collectivités locales. À Chalzol, graines de maraîchers forment des producteurs de légumes en agriculture biologique dans des bâtiments et des terrains partagés avec les jardins de Cocagne. Depuis 2014, 3 personnes ont été formées, 2 sont encore au sein de la structure. Pour Jérôme, qui devrait s'installer dans quelques mois en Haute-Saône, il s'agit surtout de perfectionner la partie commerciale. Moi, je me posais beaucoup de questions par rapport à la vente. Je n'étais pas sûr de moi, savoir comment travailler avec une caisse, les clients. Le côté rapport social, enfin bref, faut savoir vendre quoi. Et ça se passe bien ? Et ça se passe super bien, ouais. Je vends la ferme de Palante, je fais 2-3 petits marchés. Et voilà quoi, les gens sont contents. Les porteurs de projets sont déjà chefs d'entreprise, mais accompagnés par le Grand Besançon et Copilote, un organisme d'aide à la création d'entreprises. Et t'es monté à combien de paniers là, d'abonnements au panier ? En abonnement avec la ferme de Palante, j'en suis à une vingtaine, 25, 30 paniers. D'accord. Qui ne sont pas réguliers puisque suivant les saisons, fluctue. Okay. Mais, ouais. Donc on est presque à l'objectif, pas tout à fait quoi. On va y arriver, ouais. Okay. On va gérer toute la partie comptable, administrative, assurance, autorisation juridique. Donc tout ça c'est sécurisé, donc c'est vraiment très protecteur pour l'entrepreneur, le maraîcher. Et puis en parallèle, ils vont apprendre en faisant puisqu'ils vont avoir une expérience sur le terrain. Livraison de paniers, marché dans le Grand Besançon, mais pas seulement. Ces tomates cerises sont destinées à un restaurateur de Nancré. Voilà. Les restaurateurs sont aussi très demandeurs de produits locaux et bio ? Ouais, produits locaux énormément. Après, bio, c'est un petit plus, quoi. Voilà, quoi. C'est le petit plus. Et puis, ouais, il nous faut confiance, en fait. Hein. Ils ont goûté les produits, ce sont des fins connaisseurs. Trouver du terrain reste la principale difficulté à l'installation. En zone comptée, la terre est convoitée par les éleveurs et dans la périphérie des villes, par les promoteurs. On travaille déjà avec la Chambre d'agriculture, bien sûr, qui est partie prenante de cette pépinière. Mais on a besoin aussi de la SAFER et aussi de la bonne volonté des propriétaires privés qui disposent de terrain et qui pourraient nous donner des petites parcelles. Le Grand Besançon étudie actuellement les candidatures pour la formation de futurs maraîchers. Le choix sera fait courant octobre.